Les autorités chinoises critiquent l'Union européenne par rapport à l'augmentation des droits de douane sur les véhicules électriques. La Commission veut les faire passer de 10 à 38% pour les constructeurs automobiles chinois. C'est la conclusion de son enquête sur la chaîne de fabrication dans le pays qui a mis en évidence des subventions déloyales. Une mauvaise décision, dénonce Pékin. Pékin a promis de réagir à ces droits de douane supplémentaires sur ces voitures électriques. Cela inquiète les producteurs européens de cognac, de porc et de parfum. Les voitures électriques sont le dernier point chaud d'un différend plus large entre l'Union européenne et la Chine. Bruxelles affirme que les aides publiques accordées par Pékin aux technologies vertes sont de la concurrence déloyale. Avec ces nouveaux droits de douane, les mêmes règles s'appliquent à tout le monde. Ils devraient entrer en vigueur le mois prochain.